Bienvenue dans Sultan Academy. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une division en colonnes. Pour résoudre une division avec des grands nombres, tu peux utiliser la division en colonnes, car cela te permet de trouver une réponse plus facilement et sans calculatrice. Faisons un exemple. 41 divisé par 3. Posons la structure d'une division en colonnes. Pour résoudre une division en colonnes, on doit découvrir combien de fois on met le 3 dans 41. Nous allons commencer par le 4. Combien de fois on met le 3 dans le 4? Une fois. On écrit le 1 en dessous du 3. 1 fois 3 est égal à 3. On met le 3 en dessous du 4 et nous allons soustraire le 4 par 3. 4 moins 3 est égal à 1. Nous allons répéter la même procédure. Dans le 1, est-ce que je peux mettre le 3? Non. Donc, je descends le prochain nombre à côté du 4 qui est 1. Dans le 11, combien de fois je peux mettre le 3? 3 fois. 3 fois 3 est égal à 9. Si j'aurais mis le 4, ça m'aurait fait 12. Donc, je ne peux pas prendre le 4 car je ne peux pas mettre 12 dans le 11. Je mets le 9 en dessous du 11 et je soustrais 11 moins 9 qui est égal à 2. 2 sera le reste. La division 41 divisée par 3 est égale à 13 plus 2. Nous pouvons vérifier la division pour voir si l'on retrouve le 41. 3 fois 13 plus 2 est égal à 41. On retrouve bien le 41. Donc, on a pu vérifier notre calcul. Faisons un autre exemple. 5451 divisé par 3. Posons la structure d'une division en colonnes. Pour résoudre une division en colonnes, on doit découvrir combien de fois on met le 3 dans 5451. Nous allons commencer par le 5. Combien de fois on met le 3 dans le 5? Une fois. 1 fois 3 est égal à 3. On met le 3 en dessous de 5 et nous allons soustraire le 5 par 3. 5 moins 3 est égal à 2. Je ne peux pas mettre le 3 dans le 2, donc je descends le prochain nombre à côté du 5 qui est 4. Dans le 24, combien de fois je peux mettre le 3? 8. 8 fois 3 est égal à 24. Je mets le 24 en dessous du 24 et je soustrais. 24 moins 24 qui est égal à 0. Maintenant, je descends le 5. Dans le 5, combien de fois je peux mettre le 3? Une fois. 1 fois 3 est égal à 3. Je mets le 3 en dessous de 5 et je soustrais. 5 moins 3 qui est égal à 2. Maintenant, je descends le 1. Dans le 21, combien de fois je peux mettre le 3? 7 fois. 7 fois 3 est égal à 21. Je mets le 21 en dessous du 21 et je soustrais. 21 moins 21 qui est égal à 0. Donc, il me reste 0. La division 5451 divisé par 3 est égale à 1817. Nous pouvons vérifier la division pour voir si l'on retrouve 5451. 3 fois 1817 est égal à 5451. On retrouve bien le 5451. Donc, on a pu vérifier notre calcul. Nous avons vu la division en colonnes. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Au prochain épisode!